Malabo, la capitale équato-guinéenne. Et vous verrez bien cette ambiance hein, pratiquement colorée, bigarrée, entre supporters camerounais, supporters ivoiriens, supporters guinéens de la Guinée-Conakry et même le drapeau. Alors. De jubiler en prélude à cette rencontre importante de cet après-midi, notamment déjà à... Une ambiance des grands jours hein, pour cette rencontre qui va se ces rencontres prévues ce jour pour le groupe D. Le groupe D qui est logé ici à Malabo. Et c'est donc la grosse ambiance avec les supporters de la SOGECAM, l'association des Camerounais vivant en Guinée équatoriale, qui se sont tous déplacés pour venir ici à la place Bar des Stadios supporter les Lions Indomptables. Les Lions Indomptables qui n'étaient pas qualifiés à la CAN 2012, ça avait causé beaucoup de chagrin à ces milliers de supporters qui célèbrent aujourd'hui la fête du football. Et il faut dire que la route qui mène, qui part de Bar Stadio pour le centre-ville, notamment à Mercado Central ou alors à Banapa Place, a tout simplement été barrée. Les forces de l'ordre sont venues de l'Angola pour protéger... Les forces de l'ordre sont parties de l'Angola pour venir protéger, assurer la sécurité sur cet espace. Vous allez voir avec les supporters de la Côte d'Ivoire qui sont tout autour de moi. Et surtout, un peu de silence, on va prendre la première ambiance avec quelques supporters qui sont déjà, les supporters ivoiriens, qui sont déjà ici avec une grosse ambiance. Alors, le match de cet après-midi entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. Entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry, mon pronostic est 3-0. Pour la Côte d'Ivoire. Voilà, moi mon pronostic est 4-1. Et pour vous, qui va marquer les buts de la Côte d'Ivoire? Pour moi, c'est Jérémy Le qui va mettre le premier but. Voilà évidemment, finalement, le temps qui est donné cet après-midi avec les supporters ivoiriens. Et il faut dire que dans quelques minutes, nous sommes pratiquement à zéro pas du stade Nueva de Stadio de Malabo. Alors c'est la rencontre de cet après-midi. Vous pensez que la Côte d'Ivoire a les arguments nécessaires pour renverser qui va marquer le but? Le but de l'Ivoire. Et voilà la grosse ambiance ici à la place Bar des Stadios. C'est pratiquement impossible, c'est l'euphorie totale avec les supporters ivoiriens qui donnent de la voix, qui donnent le ton. Mais avant de parler, il faut rester calme, il ne faut pas faire trop de bruit, sinon on ne va pas vous écouter à Abidjan. Alors cet après-midi, le match Côte d'Ivoire-Guinée-Conakry.
C'est que sur la Guinée aussi, c'est une grande stade de foot. La Côte d'Ivoire, mais je sais que mon pays serait gagné. 2-0, ça me suffit. C'est le fait. Est-ce que vous n'avez pas peur que la Guinée équatoriale ne porte pas beaucoup de souvenirs à la Côte d'Ivoire en 2012, avait perdu en finale contre la Zambie? Oui, si, vraiment, ça nous a fait triste, mais chaque année a son nouvel foot. Mais c'est que, Inch'Allah, cette année, la Côte d'Ivoire sera le meilleur dans les camps. Quel est le cri de joie pour accompagner l'équipe de Côte d'Ivoire? C'est que sous nous les Ivoiriens qui vivent ici à Malabo, on est très contents pour les Ivoiriens. Merci, comme vous le voyez bien, ce sont les supporters ivoiriens, mais à côté, il y a aussi un supporter ivoirien qui est toujours là. Ils veulent tous parler. La particularité, c'est qu'il a un maillot, certainement, un maillot camerounais. Alors, comment cet après-midi, vous trouvez cette rencontre, la Côte d'Ivoire et la Guinée? Bon, vraiment, vraiment, nous, on sait qu'on va gagner le Guinée-Conakry. Depuis les années, nous ne nous montrons pas. Vraiment, on va montrer, on va prouver. La coupe, là, on va rappeler la coupe en Côte d'Ivoire. Il y a tout à marquer, David. Et quel est le mot d'ordre? Le mot d'ordre pour accompagner les éléphants de Côte d'Ivoire? Moi, je suis le David de l'IA. Merci. Avec les éléphants de Côte d'Ivoire, encore cet après-midi. Gardez du calme, la fête du football sera simple. Aujourd'hui là, on va gagner 5-0 seulement. 5-0. On attend le Cameroun. On attend le Cameroun. Merci. Excusez-moi, on va prendre cette supporter malienne. S'il vous plaît, juste là, un jeune supporter malienne. Alors le Mali cet après-midi contre le Cameroun. C'est sûr que le Mali va gagner. Avec tous ces supporters de la Côte d'Ivoire, tous ces supporters de la Côte d'Ivoire, hein, qui sont là aujourd'hui pour accompagner les éléphants de Côte d'Ivoire au stade Nueva Stadio de Malabo. C'est dans quelques minutes que le coup d'envoi va être donné entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry. Et surtout dans les rangs de la Côte d'Ivoire, il faut compter avec Yaya Touré, le ballon d'or. Le ballon d'or 2014 du football africain. Le Yaya Touré aussi, hein, qui est l'une des pièces maîtresses de cette équipe, tout comme Gervinho. Ils sont nombreux aussi à Katiené. Et voilà donc, sans oublier le gardien Barry Kopa. Mais l'équipe de Guinée-Conakry aussi, c'est une équipe très très dynamique, avec des joueurs qui vont se jouer cet après-midi. Alors, comment vous trouvez cette équipe de Guinée-Conakry? Vraiment, cette équipe de niveau génération de Guinée-Conakry, ils sont très en forme. Mais nous, les Ivoiriens, on n'a pas peur de les affronter. Merci. Alors, les Camerounais, à présent, les supporters camerounais, venez avec moi. Autour des supporters camerounais. Juste un peu de silence. Alors cet après-midi, le match Cameroun contre le Mali. Le Cameroun va gagner par 5-0. Choupo-Moting, 2 buts. Abubakar Vincent, 2 buts. Et Stéphane Bia, 1 but. Merci les supporters camerounais. Alors cet après-midi, le match Cameroun-Mali. Le match avec Cameroun, on va gagner. Maintenant, je suis fâché parce que le Mali parle trop. Ça te comprend, tout le monde. Mais on va gagner 4-0. Je suis pas comme Cameroun. Comment Cameroun a ce son nombre. Cameroun doit gagner Mali. 4-0. Merci. Le temps est donné. Oh là là. Le temps est donné. C'est aussi ça quelque peu les égarements de la fête.
La bagarre entre supporters, ça a déjà même commencé le duel cet après-midi. Alors comment vous êtes préparé pour supporter les Lions indomptables? On va donc aller à présent au cœur même de l'événement où se trouvent les supporters camerounais. Alors, exactement, venez cette jeune dame. This evening, Cameroon is going to play against Mali. How are you prepared to support your team today? Yes, I'm very strongly behind Cameroon because Cameroon is my country. Cameroon is where I'm, is my country. I'm supporting Cameroon and I know God is going to help us. We are going to use this medium to win Mali today. God is going to help us and we are going to win Mali 2-0. Mali are not going to go with anything. We know this 2015 is our year. Cameroon, we are going to take this cup. Is this presence of Cameroon here in Malabo makes you forget their absence in 2012? Please, come again. This presence of Cameroon in Malabo makes you forget the absence of Cameroon in 2012? Yes, because the performance that the Cameroon was doing, I know they are not going to put us in shame this 2015. I know 2015 is our year. We Cameroonians, we are going to take this cup. This cup is our cup. This cup is our cup. We are going to take this cup, whether I like it or not. Even if you do what, I know our God is going to be behind us to remove us. The shame that we have been having, our backward. The shame that we have been having, our this 2015, we are going to Cameroon. The new lion that we have now, we believe in them and we trust in them that they are going to remove all the shame that we are having in Cameroon. So this 2015 is our year. This. Amen. Quelle est la préparation que vous avez faite cet après-midi pour soutenir les Lions de l'Ontario? Excusez-moi, la question n'est pas bien suivie. Quelle est la préparation que vous avez faite du côté des supporters pour soutenir votre équipe cet après-midi? Premièrement, la mobilisation que vous voyez, première étape. Et deuxièmement, c'est au stade. Et tant qu'en soit, ce que vous voyez, c'est des Camerounais. Et l'objectif, c'est de la victoire. Pour ce soir, ce que nous avons fait en premier terme de votre question. Quel est le score? Nous sommes à l'attente du score de 3-0. Nous attendons à ce premier score pour un premier départ de 3-0 pour l'assurance de notre équipe, qu'on doit atteindre l'objectif final. Pour la communauté des jeunes Bafou, on a prévu tout et on a prévu que il faut que le Cameroun remporte de 3-0. Ici, Malabo, nous on va tout faire. Et c'est, nous on est de tout le faire. Et c'est pour ça qu'on a mobilité toute la communauté Bafou de Malabo. Vous voyez, ici, par exemple. On va prendre un doyen des supporters. Alors, le doyen, cet après-midi, quel mot? Vraiment, c'est un bruit. Même le cadavre du lion fait peur. Attendez. Même ça, le cadavre du lion fait peur. Attendez. Moi, je suis un ancien joueur. Moi, en tant qu'un ancien joueur, j'ai ma promotion au Cameroun. La façon que j'ai vu qu'on a préparé les Lions indomptables, et tout ça, ce sont mes enfants. Ils sentent que, avec la façon que nous, on a préparé ce match déjà à Malabo, c'est le même match qu'on doit travailler ça au stade. Donc on ne part pas au stade pour dandiner, on va gagner. Et si le Mali a la chance, là au moins 3 buts. Oui, impossible n'est pas camerounais. Nous sommes en Guinée équatoriale. Le score c'est 5-0. Nous sommes préparés. Le Cameroun 5-0. Les joueurs qui vont marquer. Les joueurs qui vont marquer. Quel que soit celui qui va marquer, nous attendons 5-0. We are very happy. That's why you are seeing this crowd and that's why you are seeing the population. Person like me, I do not love ball. But the way that I see our supporters are playing, that's what makes me look to my head and my toe is a Cameroonian. For show us that 2015 is our year. Cameroonian, we are going to take that cup. That's good. Through me, we are going to take that cup in Jesus' name. We have to take it.
Entonces, somos camerunenses y tenemos que ganar esta copa. Pues vamos, Camerún, oye. Vous pouvez l'entendre, il dit bien qu'il est fier d'être camerounais et qu'il est fier d'être camerounais, que le Cameroun va gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce qu'il tentait de dire en espagnol. Alors notre supporter qui a mis un maillot plutôt différent, le maillot, un autre modèle, le maillot des Lions Indomptables du Cameroun, avec un brassard de capitaine. Vous êtes sûr que brassard de capitaine des supporters, vous allez vous battre? Bien sûr, je porte le capitaine. En fait, le maillot, c'est le maillot de la chefferie. Ça, c'est la plus grande chefferie des Lions Indomptables de Guinée équatoriale, Malabo. Et le match de cet après-midi? Le match, on a déjà le titre. En fait, les supporters ont depuis joué le match. Les joueurs ne sont pas là pour exécuter. On a 2-0. Donnez aux hommes au Mali. Les supporters maliens, pour la première fois, vous allez voir comment un aigle attrape un lion. Score 2-1 en faveur des Lions. Le Lion ne meurt surtout jamais. Avez-vous déjà vu le cadavre des Lions? Je ne crois pas. Le Lion gagne cet après-midi 2-1 contre le Mali. Je vous rassure. Moi, j'ai rêvé cette nuit. J'ai vu le but de Choupo-Moutine et Clinton Dje. Et on attend tout à l'heure. Alors, vous dites que c'est la rédiffusion? Ça, c'est la rédiffusion. On a joué ça hier à minuit, 0-0. On va prendre un doyen de la chefferie qui se distingue très bien. Laissez-le passer. On va prendre un doyen de la chefferie. Alors, à la chefferie, comment vous êtes préparé pour soutenir l'équipe nationale du Cameroun? Oh, le Cameroun gagne 16-0. Le mari, c'est la femme du Cameroun. Et cet après-midi? Non, c'est 3-0 seulement. Le Cameroun a toujours gagné. Et comment vous vous êtes préparé pour soutenir votre équipe? Non, on a bien d'abord. Avant l'accoutrement, ça suffit qu'il y a déjà la victoire. Merci. Voilà donc le ton qui est effectivement donné ici avec ce poulet brandi par les supporters camerounais. Et c'est donc quoi le symbole de ce poulet? Un instant. Bonsoir, monsieur. Nous sommes ici au fief des supporters de la communauté Bafou de Malabo. Vous voyez, nous avons réuni plus de 150 supporters, malgré le fait qu'on n'ait pas assez de billets. Donc nous n'avons... On se calme. Oui, nous avons pu réunir 150 supporters, tous de Bafou et environ. Mais nous avons été surpris du fait qu'on n'a pas pu avoir assez de billets. Pour l'instant, nous avons sans entrée. Même le chef d'orchestre risque de ne pas avoir de billets. Donc, M. Fata, et nous avons préparé trois... Je peux seulement dire que nous, on a déjà arrêté les perviers que voici. Il y a le lion qui est derrière, il est un peu caché parce que le lion, il est effrayant. S'il sort aussi, tout le monde va fuir. Non, on va d'abord immobiliser la population, les sensibiliser avant la sortie du lion. Voici déjà le pervier en main. L'ambiance qui monte donc à quelques heures avant le match Cameroun-Mali, un autre supporter qui veut parler en anglais. Alors, yes, about the encounter of this afternoon. I'm very happy for this day. Because Cameroon beat Mali 4-0. And all the supporters are very happy. Look at the way we are in emotional happiness. Cameroun number 2, Cameroun number 2, Cameroun number 2. Ça, c'est ma première fois de vivre la Coupe d'Afrique. C'est venu me trouver à toi en Guinée équatoriale. Moi, je suis très content de vivre ça en direct comme ça. Je suis trop content. Trop content. Ouais, je suis très joyeuse de voir les Lions en Guinée équatoriale et qu'ils rentrent avec 6. Vous êtes parti de l'Espagne pour venir voir le match? Yes, Malangue, voilà, Bédi. Oui, vous voulez être. Même si le lion meurt, le cadavre fait peur. Ouais, je remercie Kino. Je crois que les lions vont gagner par 2-0. Voilà, donc. En faveur des
Voilà donc le ton qui est donné ici. Hein. Les Lions indomptables du Cameroun qui sont fortement soutenus par la communauté camerounaise qui se trouve ici en Guinée équatoriale. La communauté camerounaise qui se trouve ici en Guinée équatoriale. Oh là là, oh là là, c'est extrêmement émouvant avec tous les supporters camerounais qui sont massés ici à bord des stadios. En cette Cameroun, la bande à Stéphane Bia seront face aux aigles du Mali du capitaine Seydou Keïta. L'ambiance ne fait que commencer ici à bord des stadios. La police entre-temps sillonne pour protéger, pour veiller véritablement au grain et que cela se passe dans l'aide. Vous avez vu la police des traficots. La police routière, il faut le dire, qui est en train de sillonner. Policiers, des trafiquants, la police routière qui est en train de sillonner pour s'assurer que tout se passera bien et que la fête du football sera aussi très belle cet après-midi ici à Malabo, au nouveau bar del Stadio. Le nouveau bar del Stadio qui est juste derrière, non loin d'ici. Et les Camerounais continuent de donner du temps, de l'ambiance et pour soutenir leur équipe. Et la grosse ambiance ici à Barnes Stadio et s'est retransmise en direct en temps et en heure réelle sur Equinox Télévision. C'est aussi là la jeune association Asogecam qui soutient. Voilà donc la grosse ambiance ici à Malabo à Barnes Stadio. Douala, à vous l'antenne. Voilà, vous étiez en direct à Malabo, de Malabo, pour suivre ce premier déploiement des supporters qui vous font partager, notamment la joie qui va accompagner cette première confrontation sortie des Lions indomptables du Cameroun pour la rencontre de ce soir. Ils seront face au Mali. Et vous en doutez en première partie de ce programme tout à fait spécial consacré aux Lions indomptables. Nous ferons vivre et partager avec nous ces moments-là, des moments uniques des Liesse populaires, parce que ce match est très attendu. Le Cameroun n'a plus été sur le continent dans une telle bataille pour le titre suprême champion d'Afrique depuis les années 2000. Et aujourd'hui encore, 2010, nous allons pouvoir peut-être voir avec beaucoup de plaisir ce qui a manqué aux Camerounais, notamment, c'était sortie des Lions indomptables après deux éditions de ratées. Vous ne raterez aucune image, vous ne raterez aucun son et aucun fait qui vous seront présentés d'ailleurs en exclusivité sur cette chaîne Préparation des Lions indomptables. Allez vers le stade, évidemment, les supporters aussi. Nous allons nous faire l'obligation de vous faire vivre comme si vous y étiez tous ces éléments avec cette panoplie de reporters qui sont déployés sur le terrain, notamment à Malabo, et qui vont vous laisser découvrir, vous laisser partager cette grande expédition guinéenne. Les Lions indomptables, naturellement, qui seront sur l'arène à 20h, mais pour l'instant, et comme on a pu le remarquer d'ailleurs à travers les images de Jean-Paul Chounia, son reportage notamment, et les images de toute l'équipe technique là-bas déployée sur le terrain, ils sont déjà dans la fête. Les supporters ont commencé à célébrer, parce qu'au stade Malabo, il y aura d'abord une première confrontation qui opposera dans les acrobats de 17h, la Côte d'Ivoire à la Guinée. Les quatre protagonistes du groupe D vont rentrer donc dans cette grande compétition africaine tout à l'heure. Et forcément, cela intéresse le Cameroun tout entier en grande mobilisation aux couleurs nationales râpées, comme en Guinée équatoriale. Une forte colonie camerounaise est déployée. Les sons sont assez édifiants sur ce qui attend tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et tous les fans et amoureux du football camerounais en général, qui retrouveront là une équipe très très bien accueillie, bien entourée par des supporters qui vont les porter, nous l'espérons bien, sur les cimes de l'Afrique. Cette équipe qui est née juste après la débâcle des Lions indomptables en 2014, c'était du côté du Brésil. Et on le sait très bien, on ne s'attendait pas, comme l'a dit d'ailleurs Stéphane Biaïtoundi,
à ce que cette équipe-là arrive à se qualifier pour cette phase finale. Ce n'est que du bonus, donc c'est d'abord une célébration. Ce n'est qu'une fête, une fête de ce qu'il y a en surplus. Qu'est-ce qu'on attend de cette équipe? Évidemment, qu'elle défende honorablement les couleurs nationales, qu'elle défende avec toute sa vigueur nos couleurs sur le continent. Attendu donc, et le public avec nous, les populations camerounaises, qui espèrent une victoire aujourd'hui des Lions Indomptables sur le Mali. Messieurs et dames, c'est une belle fraternité d'ailleurs en Guinée. On a pu le remarquer à travers les images qu'on a pu voir là, et Congolais, et Guinéens, et Camerounais, et Ivoiriens qui se mettent ensemble, évidemment, pour célébrer cette grande fête du football africain. On ne rate rien en restant sur Equinox Télévision. Nous aurons le privilège, dans les prochaines minutes, de retrouver nos envoyés spéciaux qui reviendront sur ces éléments et nous permettront de revivre encore d'autres pans et qui sont en train de se déployer en direction et en partance vers le stade. À quelle heure les Lions Indomptables vont-ils se déployer de ce côté-là? Que va-t-il sortir de la réunion technique qui se tient en ce moment? Il est 15h20, la réunion technique des Lions Indomptables et du sélectionneur Volk Fink qui va dévoiler ainsi son 11 entrant. On a spéculé un tout petit peu sur les 11 de départ de l'équipe nationale du Cameroun. Aujourd'hui, on peut, sans risque de se tromper, commencer à entrevoir un pan de lumière. Mais nous ne sommes pas les sélectionneurs, bien au contraire. On attend de savoir, est-ce que Choupo-Moting, qui a été annoncé sur le banc de touche comme le prévoyaient déjà les reporters d'Equinox Radio, le sera exactement? Est-ce qu'on n'aura pas Clinton Jay pour cette équipe de départ, comme on l'avait déjà entrevu à travers l'équipe expérimentale que nous proposaient les reporters déployés qui ont vécu les différentes séances d'entraînement des Lions Indomptables en terre guinéenne? On le saura dans les prochaines minutes. De toute manière, vous restez avec nous et nous vous offrirons la possibilité de savoir plus tout ce qui tourne autour de cette équipe nationale. De toute manière, les images que nous avons et qui nous viennent de Guinée nous laissent entrevoir toutes les grands groupes de supporters des différents pays engagés dans cette poule D qui convergent déjà vers le stade de Malabo, le stade de Malabo, pour aller accueillir et acclamer ces quatre équipes qui vont jouer sur cette même aire à 17h et à 20h. Nous reviendrons dans un instant pour vous permettre de ne rien rater de ce qui se passe du côté de Malabo ce soir. Pour l'instant, on va vous laisser en musique puisque c'est une journée tout à fait spéciale et qui consacre d'ailleurs le football et le retour du Cameroun sur le continent. Et nous vous laissons voir et découvrir comme il se doit les Lions Indomptables sur le continent africain. Et en musique, on se prépare pour la grande fête qui, nous l'espérons ce soir, permettra de sanctionner de manière assez honorable le match qui opposera à 20h le Cameroun à la Guinée. Voici musique des circonstances.